Tu es parfaite, Nell. T'as pissé le sang sur les carottes? Je vais mourir? Ouais, sûrement. Grand-mère! Grand-mère! Bon Noël à tous. T'es toujours vivante? Oui, visiblement. Nom de Dieu, ils sont en avance. Oh, Tony et Simon ont cambriolé la station-service. Ah, ça, c'est excitant. On n'est pas les bons cambrioleurs. Je me suis amusé comme un fou. On se fait tous si vieux. On se faisait vieux, plutôt. Il y a juste une pomme de terre par personne. Une seule pour chacun. Quelqu'un a écouté le discours de la reine? Moi, je la vois bien dans un bunker, personnellement, rempli de conserves de faillots et de bouffe pour chien. Oh. Pour les vies qu'on a partagées. Pour nos magnifiques enfants. Pour nos amis fidèles. Que nous puissions reposer dans l'amour. Je dis juste qu'il faut être honnête avec les enfants, rien d'autre. On sait que les Russes veulent tous nous tuer. Ils vont larguer des bombes de gaz empoisonné demain matin. C'est pas les Russes, c'est la planète. Elle nous en veut à mort. Ça tuera tout ce qui sera encore vivant à la surface de la Terre. On aurait dû voter pour les Verts. On veut vraiment être sûr que vous comprenez bien ça. Nous, les parents, on n'est pas responsables. Enfin, je veux dire, c'est encore moins de votre faute. J'ai vu le film La Route et il n'est pas question que je vive de cette façon-là.